Good morning, allez, Iden, les tutos aujourd'hui, le lundi matin, mon ami, Ben Hanan, Issim Ben Ahouda, Sarah Betrana, Rachel, ainsi que le Fouatari, Akiva Ben Shachar, et Rafael Zulun Ben Chayam Alia, le Tor Shachar, l'Israël. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Misha, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions Maseret Avot, Perek, Dalet, Mishnayot, Yudbet, Yud Gimel et Yud Dalet pour aujourd'hui. Yudbet, Rabbi Elazar Ben Shamua, Omer, Yehi Kevod, Talmidecha, Chaviv Alecha, Keshelach, וכבוד חברך כמורה רבך, וכבוד רב ומורה רבך כמורה שמיים. רבי אלעזר בן שמוע אנסניה, יהי כבוד תלמידך, que l'honneur de ton élève, de ton disciple, soit חביב עליך כשלך, qu'il soit important à tes yeux, cher, חביב, important, כשלך, comme le tien. Soit, non, on va tous les traduire d'un coup, Uchvod Chavercha Kemora Rabach, et que l'honneur de ton copain, de ton ami, de ton camarade, soit semblable à l'honneur de ton rave, que tu le considères en fait au-dessus de toi, et que le Umora Rabach Kemora Shamaim, que la crainte de ton maître soit comme la crainte du ciel. C'est-à-dire, en fait, tu fais monter tout le monde. Il y a trois personnes. Celui qui est sous moi, celui qui est égal à moi et celui qui est au-dessus de moi. Et en fait, il me dit, Rabbi Elazar ben Shamua, de monter d'un cran l'honneur de chacun. Mon esclave, je le considère comme si c'était mon semblable. Mon disciple, je le considère comme mon semblable. Mon semblable, je le considère comme mon maître. Mon maître, je le considère comme si c'était la Shrina elle-même. Comme si j'avais affaire à l'honneur à parler directement avec Hachem. De quoi il parle exactement ? Le Tiferet Israël explique que ce sont les conditions nécessaires pour pouvoir bien étudier, apprendre et recevoir la Torah. De manière générale, lorsque quelqu'un d'inférieur à moi, ça peut être mon disciple, ça peut être d'accord, quelqu'un qui est moins investi que moi dans l'étude, de manière générale, je vais avoir tendance, lorsqu'il parle, à ne pas tendre tellement oreille à ce qu'il dit. Peut-être qu'en fait, il est en train de proposer une réponse très importante à une question. Non, moi, je vais naturellement me considérer que je suis au-dessus, donc qu'il n'a rien à m'apprendre, et de ce fait, je ne vais pas prêter oreille et écouter ce qu'il dit, alors que parfois, il peut véhiculer des perles très importantes. Donc, premièrement, le Talmid, je le considère comme mon semblable. Mon semblable, des fois, il vient apporter une réponse inconsciemment. Je ne veux pas admettre, la justesse de ses propos. Alors, il vient, il me dit, maintenant, on me considère que c'est comme si c'était ton rave, et ainsi de suite, d'accord? Ensuite, Mishnah Yud Gimel, Rabbi Yehuda Omer, וזהיר בתלמוד ששגיגת תלמוד עולה הזדון. רבי שמעון אומר שלושה כתרים הם, כתר תורה וכתר כהונה וכתר מלכות, וכתר שם טוב עולה על גביהן. רבי יהודה אומר, רבי יהודה אנסניה, וזהיר בתלמוד, וי האתר זהיר, פרסי, מתיקולו, דן תון נטוד, פורקווה, ששגיגת תלמוד עולה הזדון, קר, אין פוט דינדברטנס דן לטוד, un manque de concentration et de précision dans ce que tu vas étudier, donc tu vas être shogeg, et bien ça va se transformer en quoi? Ola zadon, ça va être considéré chez toi comme un zadon. Soit j'étudie un certain sujet, et parce que je suis un petit peu préoccupé par quelque chose, ma tête elle est pas bien concentrée, bien réveillée, alors je vais mal déduire une halakha et je vais me mettre ensuite à appliquer une halakha qui est fausse, qui va être le contraire de ce qu'il fallait peut-être, arriver à une conséquence pareille. Et alors, la Mishnah vient m'enseigner le message que la shgaga, la faute, le manque de précision par inadvertance de ton étude, ça va te coûter pour toi comme si que tu transgressais consciemment une avéra. D'accord? Rabbi Shimon Omer, et Rabbi Shimon continue à enseigner. Shlosha Ktarim Hem. Il y a dans la Torah trois Ktarim, trois couronnes, c'est-à-dire trois distinctions. Il y a le Keter Torah, Keter Keuna et Keter Malchut. Il y a la couronne de la Torah, la couronne du Kohen et la couronne de la royauté. C'est-à-dire, la Torah m'a imposé à respecter trois personnes, particulièrement à part le respect des parents, bien sûr, par rapport au rang social, à respecter celui qui détient le Keter Torah, donc le Talmid Chacham, Mimi Penaïs Evatakum, Vadanta Pinezaken. Le Keter Keuna, il faut honorer les Kohanim, le Kidashto, et Keter Malchut, honorer aussi avoir la crainte du roi, Samtasim Alecha Melech.
Et alors, vient Rabbi Shimon et nous dit, ben, sache que parmi ces trois couronnes, donc ces trois personnes à distinguer, sache qu'il y a en réalité une quatrième couronne qui n'est pas explicitée par la Torah, que la Torah n'a pas dit de respecter quelqu'un, et ben sache qu'en fait, c'est une couronne, c'est une distinction plus importante que toute, qui est laquelle, de Keter Shem Tov Ole Al Gabehen. Le Keter, la couronne du Shem Tov, de la bonne renommée, celui qui fait des bonnes actions, qui a un bon nom, sache qu'il est plus important. Parce qu'imagine qu'il y avait en fait un Tamid Chacham qui n'a pas des bonnes actions, qui se conduit pas bien envers son prochain, ou bien un Kohen qui se conduit pas bien envers son prochain, ou bien un Keter Malchut, le roi qui ne se conduit qui a pas un bon rapport avec autrui, et ben finalement tu vas voir que certes la Torah l'a dit de respecter, de les honorer, mais en réalité il n'y a personne qui va le faire de manière pleine et fièrement. Pourquoi? Parce qu'il va lui manquer justement le Keter Shem Tov, la distinction que de celui qui fait des bonnes actions, qui fait des bonnes mitzvot. Ensuite, Mishnah Yuddet, Rabbi Nehorai Omer, Eve golelim kom Torah ve'al tomar sheitavo acharecha, shechaverecha yekaimua biyadecha, ve'el binatecha al tisha'en. Rabbi Nehorai enseigne, Eve golelim kom Torah, veille à t'exiler, à partir dans un lieu d'étude de Torah, ve'al tomar sheitavo acharecha, et ne dis pas, ne te mets pas à croire qu'elle va venir après toi. Il nous enseigne Rabbi Nehorai quelque chose de très important. Pour étudier la Torah, il faut sacrifier certaines choses, et notamment quitter son petit confort, le lieu où on se trouve, et partir. Si par exemple tu t'épanouiras plus en étudiant la Torah à tel endroit, mais toi tu aimes bien rester près dans ta petite ville, tu habites Jérusalem, tu veux rester à Yerushalayim, alors que tu sais bien que si tu partais à Bnei Brak, à Tel Yeshiva, ben, tu réussirais à plus t'épanouir. Et ben, viens Rabbi Nehorai et nous dit, allez, Evegolelim kom Torah. Va donc à la Torah et ne crois pas que tu réussiras à fleurir et la Torah viendra te trouver là où tu te trouves. Pas du tout. La Torah, elle se trouve dans certains Batei Midrash. Peut-être que pour toi, le bien, c'est ce qu'il y a de bien pour toi, c'est d'aller loin de là-bas. Et ben, vas-y. D'accord? Val tomar li sheitavo acharecha. Ne te mets pas à croire qu'elle viendra après toi. Elle tapera à ta porte pour te demander ce que tu veux bien acquérir. Pas du tout. C'est à toi de te plier et d'aller partir vers elle. Shechaverecha yekayemua beyadecha. Car tes camarades la maintiendront dans ta main. C'est-à-dire, il vient de nous apprendre quelque chose de très important. Eh bien, apprendre, étudier la Torah en ambiance, avec des bons amis, avec des amis que lorsque tu vas vouloir affirmer quelque chose, on va tout de suite te demander des preuves, et d'accord, on va pas te laisser tranquille, on va, grâce à ça, justement à ce qu'on appelle le dibouk raverim, les camarades qui viennent et qui te posent des questions, et qui cherchent à éclaircir des choses avec toi, alors c'est ce qui va te permettre au contraire de mieux posséder la Torah, d'accord, mieux posséder, mieux comprendre la Torah elle-même, donc ils vont être mekaimim ota biyadecha, ils vont bien la maintenir dans tes mains. Vel binatra al tisha'en, et ne t'appuie pas sur ta connaissance, ta compréhension, ta clarté d'esprit. Soit de manière générale, il vient nous apprendre quelque chose de très important, Rabbi Nehorai, il vient nous dire que étudier la Torah dans un bon milieu, dans un bon Beit HaMidrash, c'est quelque chose d'essentiel. Le niveau que tu atteindras ne te viendra nulle part ailleurs. Tu as nécessairement besoin de partir dans une ambiance où il y a des talmidim comme toi qui vont étudier, qui vont te poser des questions, qui vont éclaircir avec toi toutes tes connaissances. Et grâce à ça, tu vas pouvoir acquérir la Torah. Et ne te crois pas que tu réussiras à être un grand chacham, un grand sage, en t'enfermant étudier tout seul à la maison, parce que la Torah ne viendra pas chez toi. Vel binatra al tisha'en. Ne t'appuie pas sur tes forces intellectuelles, mais plutôt sur la nécessité d'étudier Bidibukhaverim. C'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine d'aslach à Kol Tov.